Aujourd'hui ça va mieux, putain je suis content, ça y est, je vide ma passion, c'est incroyable. Les gens les plus cons que j'ai rencontrés dans ma vie se refont. J'aime le frisbee, il a pris très fort dans la carotide. Je me suis fait convoquer par le directeur. J'ai appelé mon pote Boubacar, je lui dis Eh ben salut tout le monde, aujourd'hui on part à Nice et on y va avec qui? Avec Nino Arial. On va faire rire les gens à Nice, on va passer sur scène, on va filmer un peu les backstage et il y a Quentin de France qui est là, qui s'est levé. Ça va Quentin? Ouais, il est un peu tôt mais ça va. Ouais, tu vois, il est feignant. Donc on va aller voir ça tout de suite, on va aller se promener d'abord sur Nice et on va essayer de faire rire les Niçois. Allez, on y va. Et nous voilà à Niceville et on a notre ami Nino qui est là. Bah on vient d'arriver, donc 6 heures de route, ça va Nino? Ça va. L'avion et tout impeccable. Ouais, bon trajet, donc ce qu'on va faire, on va aller s'installer chez moi. Avec plaisir. Je te préviens, chez moi, grand luxe. J'en attendais pas moins. Allez, on y va. Elle est où ta maison? Elle est où ta chambre? Ma chambre, si on peut. Attends, je la montre. Ah, merci. Tu es content? Bah ouais, j'espère que je suis un pas de cafard, mais... Ouais, non mais il y a parfois, mais il y a des souris. Là, on est à atelier course. On va prendre quoi? on va au resto. Non, on prend des courses. Et ça commence. Il est pas court. On va faire les courses. Il est pas court. La cabane, les courses. Là, on va aux courses. Non, parce qu'en fait, on va faire à manger, parce que sinon, ça coûte trop cher, mec. On n'a pas de budget. Regarde, ça, c'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que c'est marqué 49. C'est marqué top budget, c'est pour ça, toi. C'est pour toi. Toi, Fleury Michon, tu prends pas. Ranou, tu prends. Ranou, ça, il t'offre. Fleury Michon. Dégueulasse. Vous avez de la bavette? Alors, qu'est-ce qu'on a? S'ils ont de la bavette, c'est pas. Alors, j'ai pas de la bavette, j'ai le coup, j'ai. C'est bon aussi? Ouais, ça, c'est un aller-retour. Je vais les faire revenir avec une pointe de sel. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Au revoir. 12 euros quand même, c'est pas donné. Tu vois, on prépare le Summer Buddy. Dino. Oui. On va finir gros, je te dis tout de suite. Non. Non, je vois pas le problème. Non. Quentin, plutôt bacon ou plutôt paprika? Moi je suis chaud paprika là. Paprika. Eh ben. Ça a des petits gâteaux, c'est bon ça. Ouais. Mais parce que lui il prépare le bodeur, c'est... Ouais non. Bodeur, body, ouais je sais pas quoi. Hein. Non en ce moment il fait vraiment gaffe, il est relou. Vrai ouais. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il dit soi-disant qu'il a pris de bourrelets, machin, je te jure. Je vais me foutre torse poil à côté de lui, ça va calmer. Il va dire, ah, c'est bon, j'ai de la marre. Bon, allez, je suis encore là. Il va péter un câble, il va dire, arrête de me foutre ça. C'est clair, mais surtout que t'es en train de péter le budget là. Non, mais je me paye. Ah, tu payes? Bah oui, après, je fais une facture. Et je lui envoie quand on rentre à Paris. Ah, écoute, je savais pas. C'est ça l'astuce. Ah oui, je dis, tu m'as pas prévenu, moi, pour les histoires de. Ouais, t'as raison. Il est pas. Attention, non, il est pas. Ils sont prévenus pour les histoires de trucs. Ouais. Donc j'ai pris des capotes. C'est comme ça que je me fournis en capote toute l'année. Mais c'est parce que là, t'as des plans. Ah, c'est. Elle est connue. Ok. C'est un peu la doyenne. Il paraît que ça bosse. 4,30 €. 2,46 €. J'ai pris un pâté, mais c'est un bio. Pour Franjo. Pourquoi t'as pris autant de billets? Centimes. Parce qu'on a deux jours. Bah c'est fini là. Votre total est de 33,81 €. 33 pour tes merdes. Et toi? 25. Non. J'ai de quoi manger pendant deux jours. Faut que je me reprenne en main là. J'ai grossi dernièrement et je fais pas gaffe à mon alimentation. Avec ta tête là. Faire attention hein. Faire attention. Ben, tu vois, déjà là je trouve que la moza elle est limite un peu grasse, tu vois. Et vous hein. Après j'ai pris des haricots là. C'est mange graisse. C'est chaud chitant. Merci c'est là. C'est marre body. Tu peux nous raconter la Discord là entre Franjo et toi? Non, c'est pas une Discord, c'est un... Il veut prendre le Uber. On doit prendre le Uber. Ça coûte tellement cher. Attends, explique aux gens pourquoi le train ça coûte pas cher. Parce qu'on paye pas. Voilà, pourquoi? Alors pourquoi? Ah, bravo. Bravo. Non, je paye le train. C'est juste que c'est moins cher le train, c'est plus... Et c'est plus écologique, je pense à la planète. Donc du coup là on est à Nice, mais par contre il fait moche, c'est plus moche qu'à Paris. Ouais c'est dégueulasse. Merci les Niçois pour l'accueil hein. Je vous emmène avec moi, on va aller voir un petit peu les petits coins. Allez c'est parti. Donc là on va se balader un peu parce qu'on va se préparer pour aller jouer sur scène. On va jouer ce soir à Grasse. Là on va shooter sur la plage juste avant d'aller sur scène. Moi je dis bah vas-y prends-moi parce que franchement au niveau modèle il y a quelque chose à faire. Tu vois? Ouais. Tu veux dire est-ce qu'ils sont vraiment sérieux? Coming out. Alors Franjo, comment tu le trouves? Je comprends pas, toutes les meufs elles disent ouais il est beau. Il est pas terrible en vrai. Il est dégueulasse. C'est qu'en vrai, parce qu'en photo on dirait il a les cheveux propres. Mais en vrai, il se coiffe avec de la graisse de poulet. C'est horrible. Il m'a pas dit qu'on jouait dans une église. C'est une église là. Ah c'est parce qu'après on fait la quête. Ah voilà. Ah bah voilà. Pour la quête il est venu. Ouais il est venu juste pour la quête en fait.
C'est parce que je sais que je vais vider. Et nous voilà, grâce, on va jouer dans un petit boui-boui, j'ai du mal à parler, qui s'appelle le toucan. Hein, voilà, allez, c'est parti. Il est là, la famille. Je connais. Ah, pardon, c'est pour la caméra. Ah oui, alors. Ah, qu'est-ce que c'est. You're amazing. Salut Nino. Je le connais pas. Donc on va prendre du bon temps, on va vraiment aller chercher le public niçois, on va essayer de faire rire tout ça. Je joue avec le vinyle. Ça va, Jonathan? Jonathan, je parle. Non, parce qu'on fait une pub pour le vinyle. Ah, hé hey. C'est une grande famille. Vinyle, c'est une grande famille. Venez, venez nombreux. Venez à Grasse. La fin de la soirée, donc quand c'est fini, tout le monde applaudit, merci, ça fait plaisir, etc. Bon, au bout d'une heure, je suis le mec qui galère. Il faut se casser maintenant et on fait un grand catering. On a prévu de la bouffe, ma femme a c'est, fait. C'est encore long ton speech là parce que ça commence à être chiant. Bah, comme on dit ici, speech, homo speech, quand t'as un petit coup. Ah, parce que donc t'as besoin de ton petit Red Bull avant de monter sur scène. Non, parce qu'en fait, là j'ai un coup de barre. Je sais que le Red Bull. Ça va, parce qu'il y a de la taurine dedans, c'est moins cher ici. Alors on cherche, mais pas forcément la Red Bull, s'il y a des sous-marques qui sont tout aussi bonnes. Ah. Et qui sont quand même moins chères. Toi, en fait, tout ce qui est moins cher, ça t'intéresse. De manière générale, bah oui. Moi, je joue à Candy Crush. Ah ouais. Ouais, Nino, il révise parce qu'il est en stress. Ouais, Nino, là-bas, il est en train. Ouais, mais moi, j'ai pas besoin, moi. T'as pas besoin. Ouais, non, moi, c'est le talent. Ah ouais, d'accord. Ouais. Parce que là-bas, ouais, il tape ouais. Sec. Hein. Ah, Nino, tu l'as filmé? Ouais, j'ai filmé. Putain, il est pas bien. Je crois qu'il a vomi. Dans les céréales. Je te crois pas. Si, je te jure. Putain, mais. Il est pas bien. Je peux te faire semblant d'être Diam. Alors? Ça va. Oui. Je suis pas stressé. Ça va? Pas stressé. Je suis pas stressé. Non, ça va. C'est bien. Non, franchement, tu vas assurer. La story que tu nous as mis tout à l'heure, franchement, non, mais on l'a jamais essayé, la story. Tu veux une tourette? Mais tu racontes comme si tu racontais à tes potes. Ouais. Une bière sans alcool. Bon, arrête de faire le mec trop décontracté, toi. Ouais. Tu sais comment il fait trop le mec? Ouais. Ça fait 10 ans de métier, je ne stresse plus, je sais même pas ce que c'est. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît, et je veux vraiment faire un putain de bruit, c'est la première fois qu'il vient à Nice. Nino Arial. Bonsoir, Nice, est-ce que ça va? Je cache pas que moi j'ai toujours un petit peu la pression quand je monte sur scène comme ça, surtout quand je joue devant des jolies filles. T'as un téléphone, mais jamais tu le jettes par terre en disant j'en ai qu'un, j'en profite. Ce soir c'est cool, j'ai pas de pression. Il y a pas longtemps derrière la matinée, j'ai rencontré une prostituée portugaise qui m'a dit pour 30 euros je te fais tout, du coup je l'ai ramené chez moi, elle m'a refait le carrelage. Hashtag best friend forever, Kelly, c'est quoi ça? À toutes ces meufs, j'ai envie de leur dire, hey, chérie, c'est les Roumains qui parlent comme ça, manger, bébé, dormir, chanter, c'est les Roumains! La vidéo se termine, donc j'espère que vous avez kiffé cette petite aventure niçoise avec Nino. Voilà, on a fait des vannes, hein, Nino, c'est la fin du vlog. Ah, hein, donc abonnez-vous Nino Arial sur tous les réseaux. Dégage, et il est en train de gratter mon buzz, l'enfoiré. Abonnez-vous aussi à Franjo Reno. Ah, mais je t'aide. Non, si, c'est pour toi. Ah, tu m'aides. Abonnez-vous à Franjo. Non, c'est Franjo. Et s'ils regardent la vidéo, c'est qu'ils sont déjà abonnés. Ah oui. Abonnez-vous à Nino Arial.